Bonjour YouTube! Comment allez-vous YouTube? Je sais que vous adorez Metroid Prime. Donc c'est reparti. On y retourne, on vient de casser une des graines. La graine du Brio. Et là du coup on est arrivé sur une autre planète. On est arrivé sur une autre planète dont on ne connaît rien. Mais bientôt, regardez. Samus, votre prochaine priorité, c'est de rebrancher l'unité Aurora de Celestius. Elle vous aidera à trouver un moyen pour atteindre la graine. Téléchargement des données en cours. Avancez avec prudence. Merde, je connais personne de ce nom-là. On ne sait toujours pas où se trouve Gore, ni son état d'esprit. Appuyez sur 1 pour accéder à l'écran des cartes. Ok, donc faut que j'aille là-bas. Ouais, pas l'impression qu'on puisse enflammer grand-chose, mais... Ah, des nouveaux animaux à exterminer, regardez. Mécanoïdes, drones mécano-aériens, robots de maintenance automatisés. Première activation, il a 132,8 ans. Il est mort? Il est mort. C'est quoi ça? C'est juste dehors, ok. Alors, intégrité structurelle minimum, des vents violents détérioraient les structures de soutien. Attends, de soutien au fil du temps, ok. C'est quoi? Pourquoi il y avait. Mécanoïde, drone de transport, transport des. Ok. Là, il y a encore du bleu là, regardez, il y a du bleu là. Voilà. Le bus Chozo représente Uka, les principaux architectes de Celestius, ok. Ah mais ils sont pas vilains en fait. Les données historiques tirées dessus pour lire les informations. Et voilà comment 132,8 ans de vie prennent fin. Ah c'est Samus hein, c'est Samus ça déglingue tout. Hein. Samus, on sait hein. Elle est soi-disant là pour sauver, sauver l'univers, mais bon. J'ai quand même l'impression qu'elle détruit plus de choses qu'elle en sauve. Hein. Statue de l'ancien Chozo semble bloquer son bras et tendu comme pour recevoir une offrande. Ah ouais? Ça me rappelle un autre jeu. Ah non, c'est un autre Metroid ça. Le lierre de Phazon est vulnérable aux attaques, mais les bulbes sont vulnérables aux Phazon. Ah mais non mais faut que je sois en mode... Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. J'ai compris. Je pensais que c'était une chasseuse de primes. Alors justement, récemment on a appris en fait que oui effectivement, Samus est une chasseuse de primes. Mais en fait, les créateurs Jap savaient pas ce que c'était concrètement un chasseur de primes. Ils aimaient bien en fait le Bounty Hunter. Ils aimaient bien le terme, ils trouvaient que ça sonnait bien. Mais ils avaient pas conscience qu'en fait ça voulait dire chasser des mecs et potentiellement les buter et les ramener quoi. Et donc ils ont dit ah mais non, Samus elle a jamais fait ça, hein. Samus elle est gentille. Elle a jamais été chercher des mecs et pour leur péter la gueule pour récupérer du pognon. Voilà, c'est assez rigolo en fait de se dire que les mecs, voilà, ça savaient pas de ce dont ils parlaient quoi. Après, voilà, c'était dans les années. Dans les années 80. Hein,
que j'ai fait? Ok, donc fallait éclater le verre. Vous avez vu, il y avait des belles structures. Il y avait des du verre millénaire qui était là. Elle a tout défoncé. D'accord, les bounty, certains adorent donc chasser les bounty, c'est vrai que c'est rigolo. Je crois que c'était ça. Ils étaient fans de Bounty, ils se sont dit tiens, parfait. Regardez, c'est BioShock Infinite. C'est la ville dans BioShock. Moi j'aime pas le coco, donc je... Ouais, bah c'est pareil. Bois de coco, c'est pas mon truc, moi. Acroline, tiens, transit, hein, pour... Hop, pouette, machin, là. Mécanisme de verrouillage en place, un tir d'arme devrait suffire à retirer temporairement le verrou. Ah ouais, d'accord, donc il va falloir tirer au bon moment. Sinon, on va se casser la binette. Ouais, mais ça va où, là? La gueule de tout le monde. C'est chouette. C'est pas les phases les plus recherchées, mais c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a là? Fonctionne à un niveau minimal, si l'absence de maintenance continue, l'unité ce sera bah... Moi pendant ce temps-là, je suis en train de casser la gueule de tous les trucs, les robots mainteneurs là. Robot éteint, droïde léger, qui est facilement détruit. Oh, faut pas que je les détruise du coup, non? Peut-être falloir que je les détruise. Ils m'ont vu, non? Poil au dos. Satellite de communication émet le même signal en boucle depuis 208,3 ans. Ils sont plus balèzes, non? Non, c'est les mêmes. Non, c'est exactement les mêmes. Quoi là-bas? Quoi là-bas? Y'a quoi là-bas? Non, mais là il y avait un truc où je pouvais m'accrocher. Regardez là, je peux m'accrocher. Le canon n'est pas alimenté en énergie, une charge cinétique devrait suffire à alimenter le système. Cinétique. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là? L'a pas compris. Non, mais c'est sûrement le truc que je vais débloquer là un peu plus loin.
Projecteur holographique relié au réseau principal de Celestus. L'image de Gore est affichée. La batterie est connectée à des disques de projection holographique. L'unité est inactive et nécessite des réparations. Quoi, il répare pas? Tiens. Tiens. Pourquoi machin il répare pas là? Ah, attendez. C'est pas un réparateur lui. Le don transféré vers la banque de données. Ok. Ah! Il s'est barré direct. Le piston produit de l'énergie utilisée pour alimenter les moteurs du module. Ok. Alors, que se passe-t-il? Canon d'orbe cinétique capable de tirer de petits objets sphériques à grande vitesse. Par exemple, Samus en boule morphing. Quelle coïncidence! Alors, mécanisme de verrouillage activé. Faites exploser toutes les cibles simultanément pour retirer les verrous. Ok. Unité de confinement. Théronienne. Théronienne, ok. Présence de substance radioactive. Manipulée avec précaution. Alors. Oh. Merde. Alors, attendez, est-ce que je peux y arriver? Ok, tac, tac, tac. Merde. Tac, tac, tac. J'ai réussi. I did it. Oops, I did it again. Attendez. Marche pas ça. Qu'est-ce donc? Les analyses, ce métal est vulnérable à la chaleur, un tir à haute température pourrait le faire fondre. Ok. Le canon est bloqué, enlever les débris environnants pour pouvoir utiliser le canon. Donc c'est sûrement le truc qu'on va débloquer. C'est sûrement... le rayon plasma ou un truc dans le genre quoi. Le petit bat.
Ah merde, j'ai pas vu la statue. Flûte. Au retour. C'est qui ça? Seigneur Vapeur, à part les robots Vapeur capables de se camoufler. Je peux pas y toucher par contre. Vu qu'il est dans l'autre pièce. Mais encore? Le contact avec les rayons d'énergie peut s'avérer dangereux. Oh, sans déconner! Attendez, est-ce que je peux pas faire ça? Je passe en dessous. Non! Merde. J'ai failli me faire avoir. Hein. Ah! Oh là là, les malins! Les malins! Regardez ça. Regardez ça si c'est pas des malins là! Bravo Nintendo. Possible d'utiliser le rail magnétique avec les équipements de l'armure actuelle. Ok. C'est nain, t'as en dos. Bah, que des malins. Terminal de contrôle opère les mécanismes proches utilisés pour faire tourner les mécanismes. Ok. Verrouillé, impossible de voir à côté. Ok. Bon, alors, faut que j'aille là, j'imagine. Ensuite. Donc il y avait un truc en haut mais j'ai pas pu le prendre. Activer l'unité verticale, utiliser une charge cinétique, unité actuellement déconnectée. Chambre de recharge élysienne utilisée pour accueillir et recharger les robots vapeur à je sais plus quoi, j'ai pas lu. Port de confinement scellé, de faibles bruits mécaniques proviennent de l'intérieur. Système de tuyauterie métallique attribue la pression nécessaire pour verrouiller les barreaux de sécurité. Ah, qu'il y a des bruits là. Là, c'est par où je dois aller, mais... Je peux pas cinétiser là pour l'instant. Ah. Armement léger, armure légère, vulnérable à haute température. Désolé.
Ah mais merde. Allez! Allez! Oh, une réserve d'énergie! Trop bien! Capsule de phason, restaure 25 unités de phason. Un combat au pif et on a une réserve d'énergie quoi. Ok. Valve de verrouillage de sécurité, détruit toutes les valves pour ouvrir les barreaux. Ah d'accord, ok. J'ai tapé dans le micro, je me suis fait trop mal. Ah, je me suis dit quel doigt. Le motion gaming de merde. Ah, le motion gaming, c'est vraiment de la merde. Hein. Ah. De contrôle de l'ascenseur connecté, activation manuelle nécessaire pour actionner le machin. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oui. Mais encore. Quoi ici? Salle de sauvegarde là. Non, je sais pas trop en fait. Non, ok, bon ça. C'est un truc, mais je ne sais pas quoi. Alors, le scanner digital. Comment elle hack tout quand même, Samus hein. Parce que ça ressemble pas à la petite main qu'il y avait dessus. Hein. Il est bien l'ancienne le. Il est bien l'ancienne le. L'ascenseur quoi. Ouf, oh ça rame. Oh ça rame. Faut pas se gourer là. Hein. Accès au canon bloqué, retirer la protection pour entrer dans le canon et l'utiliser. C'est bloqué par le couvercle de sécurité, détruisez en tirant sur toutes les cibles simultanément.
peux pas, non? Ok, ça c'est le système de transport, super. C'est quoi le petit machin, là? Canoïde, drone mécano, drone terrestre automatisé, autrefois utilisé par la maintenance. Les générateurs sont opérationnels, ils fournissent de l'énergie supplémentaire. Je suis où là? Ah, la sauvegarde. Enfin, ça faisait un petit moment là, que j'ai pas sauvegardé. Là, je commençais à avoir peur parce qu'on sait hein, dans Metroid Prime, quand on crève, et bah y a pas de sauvegarde automatique. Hein, donc, si ça fait une heure que vous avez pas sauvegardé, et bah c'est mort. Vous refaites votre dernière heure. C'est pas drôle. C'est vraiment ni drôle ni fun. C'est juste tout nul. À l'ancienne. Ah ouais, mais bon, ça... Ça fait un peu chier quand ça arrive, quoi. Attendez, faut que j'aille où? Je redescends là? C'est Mother Brimbrin. Porte de sécurité verrouillée. Fournissez l'énergie au verrou avec une charge cinétique pour les ouvrir. Le Aurora 217 inactive. Corruption aux phasons détectées. Administrer le vaccin pour la réparer. Ah mais oui, c'est les Mother Brimbrin. Ah bah oui, oui, c'est bon, ça y est, je me rappelle. Les unités machin, ça y est, je... I do remember. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, c'est dans ma tête. Globe flotteur gaz vulnérable aux armements basiques, consomme et émet des gaz mortels. Oui, je cherchais un mot compliqué, mais en fait, non, c'était. Oh là là, il y a Rabia qui vient de me démonter son plaid là pour le TT. Le canon. Ah. Rien, sont fermés à abri une grande baie de chargement capable de stocker des objets massive. Armure de distance combat de Gore. Elle est déployée et vide. Ses moteurs semblent avoir été utilisés récemment. On va peut-être savoir ce qui s'est passé avec Gore là.
Ok, là je suis déjà venu. Le jeu ira main. Ton PC n'est pas assez puissant sûrement, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mon écran, c'est mon écran 144 Hz qui arrive pas à comprendre la vitesse du jeu, je pense, et qui du coup déconne. À mon avis, c'est ça. Il y a trop de FPS et du coup l'écran est paumé quoi. Porte un moulin, saute un, sauf seulement un rayon à haute température. Okay, mais à un moment, il va falloir que je débloque des trucs là. La plateforme de maintenance se déplace automatiquement vers un conduit ouvert dans le mur. Kinis va pouvoir tourner sur le même et doit être contrôlé par un terminal à proximité. Le contrôle mécanisme à proximité utilisé pour le faire tourner le mécanisme, ok. On a ça qui est quoi? Rouages ne sont qu'une partie de la machinerie qui permet au module de flotter, ok. Le matériau qui permet qu'il faut cramer. Section de tuyauterie était réfragilisée, s'écroulée, dégagement, une petite ouverture. Attends, ah oui, c'est ça. Là. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai compris. C'est quand même ça le principal. Ah non, d'accord, ok. Faut... Ah! Allô? Merci. Putain, ça. Putain, les temps de chargement. Les temps de chargement, ils sont horribles. Hein. C'est quoi ça? De sécurité en place, impossible de rétablir tant que la liaison entre l'UA et ce système n'est pas établi. Code de la piste d'atterrissage sécurisée pour, par 4 verrous, impossible de faire atterrir votre vaisseau pour l'instant. Quoi? Il y a un truc que j'ai pas pigé ou quoi?
Oh ! Réserve de missiles de vaisseau. Ouais d'accord, bon il y aura... Ça je peux pas ouvrir. Ouais, je m'en doutais un peu, hein. Je me doutais que j'avais été un peu court, là. Putain, mais je pige rien. Je peux rien faire là. Le machin cinétique, je l'ai pas encore moi. Si, non, peut-être. J'ai rien compris. Attendez, ou alors c'est quand je suis en. Pas du tout quoi. Attendez. Fournissez de l'énergie au verrou avec une charge cinétique pour les ouvrir, c'est ça? Ouais, faut. Mais je l'ai pas encore eu la charge cinétique. C'est pas la première fois qu'on m'en parle, mais je l'ai pas eu. Alors, j'ai manqué un truc quoi. Là c'est là où je pourrais faire atterrir le vaisseau. Je suis troublé là. Ça, boule morphing, bon boule morphing. Ok. C'est quoi E2? LED. Ah. Genre c'est ça LED. Alors là je suis j'en reste quoi là? J'ai pas pigé hein. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Le contrôle de l'ascenseur fonctionne normalement, l'ascenseur les montées. Ah, ouais, d'accord, ok. Rien à voir. Ça, c'est la sauvegarde, ok.
Attendez. Je l'ai pas encore ça, le visement automatique. En fait, je connais pas spécialement les Metroid, mais c'est vraiment explo comme jeu. Ah bah oui, carrément hein. D'habitude il y a des ennemis là, ils m'ont mis dans une phase où il n'y a pas d'ennemis quoi, mais normalement il y a des ennemis quoi. Attendez, j'ai loupé un truc. Je vais regarder une solution. Je vais aller mettre une solution. Prime 3. Metroid Prime 3 Solus. Parce que là, j'ai peut-être loupé un objet sans en faire gaffe, mais je vois pas quoi. Brio. Ah, Elysia 1. La réserve d'énergie. Il faut dehors changer voie à main pour placer l'hologramme. Voici envoyé sur le quai flèche. Pour rejoindre la jonction comme indiqué sur la carte après avoir franchi la porte G20 sur le pont aérien ERA. Ouvrez la première grille avec votre grappin. Attendez, il y a un truc. Ok. Bon. J'ai retrouvé des indications. Alors déjà, faut que je refasse demi-tour. Alors. Donc. Il faut que j'ouvre sinon. Ok. Alors. Pourquoi je suis pas rentré tout à l'heure? Quoi? Pourquoi je suis pas rentré tout à l'heure? Données de la FG, le buste Chozo représente Drin, éminent scientifique à l'origine de la technologie. Ok, là il y a un truc.
Là, il y a un truc aussi. Ah non, j'avais pas pu y aller en fait. Ah. Ok. A priori, c'est par là, ouais. Charge, 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 charge. Merci. Là, d'après lui, protège le pont qui mène au module. Il semble possible de l'arracher de ses charnières. C'est quoi ça? On envoie des missiles. On va dragon, mais celui-là facilement arrachable. Allez. Hors champ alors que je suis à côté. Des structurels critiques, structures de soutien endommagées, traversée déconseillée. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Salut! Ah, il me balance des missiles, là! Merde. Allez! Oh, ça marche pas? Eh, pourquoi? Parce qu'il y a le connard! You? Cette tentative de fuite, bah ouais, je vais pas attendre des heures quoi. J'ai autre chose à foutre quand même que de me battre quoi. Alors. Ok, on a rien loupé. Ah, combat, pas combat?
Qu'est-ce donc? Interrupteur d'énergie nécessaire de puissance pour actionner le système d'ascenseur de connexion. Si tu le dis. Si tu le dis, je te crois. Écoutille maintenu en place par un étage de sécurité retiré là pour ouvrir l'écoutille. Ouais, GG moi hein. Les grands panneaux métalliques sont maintenus par des attaches à l'intérieur de la structure flottante. C'est une connerie. Ok, so. Ok, faut que je fasse ça pour tous et puis après je reviens et après je peux sauter, d'accord, ok. J'ai compris. Eh, l'énergie dépensée pour avoir leur cité qui flotte dans l'air là. Je sais pas si vous avez vu mais il y a plein, regardez. Il y a des petits moteurs. Les petits moteurs qui balancent de l'énergie là. C'est pas très développement durable si vous voulez mon avis. Hein. Les salauds. Il y a tellement, il y a du lag là-dessus en fait. C'est compliqué de l'avoir du premier coup en fait. Je peux vraiment passer au bout du bout. Hein. Alors, hop. Non, il s'est barré. Grue alimentée en énergie, utiliser l'unité 1 pour placer la grue, ok. Il y a d'autres choses que je peux scanner d'ici, non? Me v'là là. Ah. Oh, c'est pour retomber en bas, ça. Non, c'est pour retourner en bas. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. Okay.
Qu'est-ce que c'est? La boule turbo, yeah! Oula alors, mécanoïde drone de défense, antenne vulnérable, unité de commande dans le casque blindé. Il m'envoie du caca! Il m'envoie du caca! Il m'envoie son caca! C'est dégueulasse! Merde. Qu'est-ce qu'il me fait? Allez. Merde. Oh, ouch. Oh, oh. Oh là là, c'est vraiment de la merde. Évidemment, je me le suis pris en pleine tête. Allez! Hop là! Allez, bisous, hein. C'est du vomi, tu penses? Ça ressemblait plus à du caca pour moi. Hein. Quand même vraiment marron, moi. La 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 la. Ces panneaux de communication peuvent percevoir des signaux émis depuis toute la surface de Celestus. Turbine alimentant le mécanisme de verrouillage, surcharger le système pour débloquer le verrou. Verrou en place alimenté par de multiples sources d'énergie d'électricité pour passer. J'y vais.
Ah mais c'est pas ce que je voulais faire moi. Je voulais aller en bas. Merci. Il me parlait de surcharger machin là. Non ? Cinétisme, ouais, c'est ça, ouais. Ou alors c'est pas ça, ou alors c'est ça. Parce que c'est... Bah je sais pas. Alors... Il me fait peur lui. Il me fait peur. J'ai cru qu'il y avait un ennemi. C'est juste un petit mec qui répare quoi. Il est tout mignon, tout gentil. T'es où? Ok. Donc là, je reviens sur mes pattes. Il se bosse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui d'accord, une fois que c'est chargé, je peux aller dans le milieu. Voilà, ok, j'ai compris. C'est quoi ces conneries? C'est long.
Et merde, je me suis mis dessus. Évidemment que je me suis retrouvé dessus pile. Allez. Il faut se barrer. Voilà, pour revenir. Méga chiant. J'arrive là. C'est Batman, regardez. Batman. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Portail bloque l'accès à la crawling. Le verrou manque d'énergie, doit être alimenté pour être retiré. Ok. Ok. Merde. Regardez. Je fais du bowling. J'ai envie de bowler. Rigolo ça. Hop. Donc faut que je retourne, là où il y avait Mother Brain là. Il a pas l'air de vouloir s'activer pour l'instant. Et là, maintenant, on peut. Merde. Attendez. Terminal de communication permet d'utiliser l'avantage avec l'unité Aura 217. Ah, falloir que j'aille dedans. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Grande statue de Lua, aucune image ne s'affiche. L'unité est actuellement désactivée. Robot éteint. Ah bah ça a pas duré dis donc. Insertion d'identifier
administrer le vaccin de la Fédération Galactique via ce terminal, ok. Écoute, il n'y a aucun moyen d'apparemment d'ouvrir cette porte. Il faut... Ah oui, non, 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 ça, il faut pomper, c'est vrai. Ça, c'est le pompage, ça. Non ? Ah non, c'est pas le pompage, ça, c'est le... Téléchargement du vaccin réussi. Ah d'accord, non, fallait rien faire en fait. Un niveau de corruption de phason de l'UA à 0%. Ok. Moi qui est habitué quand dès qu'il y a un truc, maintenant faut que je secoue ma zizimote. Je comprenais pas. Objectif accompli. Le vaccin a été administré. Unité Aura 217 a été soignée de toute corruption au phason. Plein la tête encore, non, c'est ça? CB nous dit comment faire. Merci mec hein. Plutôt que de nous laisser dans la merde, vaut mieux nous le dire ouais. Souder les connexions sectionnées pour les réparer. L'écran de l'UA est directement activé mais n'est pas connecté au réseau. Mise à jour de l'armement requise. Ah oui d'accord, pour la soudure il faut quelque chose qui... Il chauffe. Donc rayon plasma ou un truc dans le genre quoi. Pas là ? Non, c'est pas là. Mettez où ? Mettez pas là. Mettez où ? Mettez pas là. Mais elle est où là? C'est où? Oh putain, c'est où que je retourne? Comment je remonte? Comment je remonte? Attendez, je suis... Mais je suis complètement con ou Là j'ai rien, là j'ai rien. Mais je remonte comment? Ah mais il y a là, regardez, il y a le truc là. Quel gros boulet. Quel gros boulet. Météora 217 opérationnel, impossible de communiquer avec le réseau de Celestus. Ok.
Invulnérable. D'un coup, la porte est devenue invulnérable. Ok. Faut pas, hein. Hein? Mais quoi, bordel de bite? Mais quoi, à la fin? Oh, attendez, c'est... Je suis rebou là ou... Ou le jeu il m'en veut. Je comprends. Voilà, faut que je rappuie, c'est ça? C'est ça. Ah bah voilà. Gore may have changed, Samus. Be prepared to deal with that. Good luck. Merci. Maintenant les portes elles se trouvent toutes seules, c'est bien. Quand même assez magique hein, le monde de Metroid. Hein. Ah, il n'y a plus le... Ship status alert. Unknown entity approaching. Commencing hull lockdown. Attendez, y a pas un truc là pour... J'ai même pas vu la porte ici. C'est quoi ça? Structure semble être une nacelle de réception destinée à de petites capsules d'évacuation. Le générateur alimente la nacelle de réception de capsules d'évacuation en cours de recharge. Ok. Les vapeurs minuscules ouvriers mécanoïdes, niveau de menace minimum.
Alors... Ah mais j'ai pas fait gaffe à ça. Quoi? Quoi je peux... Je puis-je pas passer? Ah! Ah! Je puis-je pas passer parce que il y a le truc. Donc il faut que je le rebloque, c'est ça? Je peux plus le rebloquer. C'est connerie. Attendez, là, il y a quoi? Plateforme de maintenance activée et fixée en place. Et toi, toi. Là, il y a le truc là, ok. Donc c'est en passant par les tuyaux, c'est sûr. Ah mais il y a peut-être... il faut peut-être déglinguer ça en fait. Ok, derrière je peux pas y aller là. Allons voir par là. Si un jour la porte veut bien s'ouvrir, merci. Solitude, d'accord, merci beaucoup pour le petit document. Ship priority status alert. Hull armor taking damage. Fallait retourner au vaisseau en fait. Pas clair. Hein. Par où je passe? Par là? Allez! Merci, ouvre-toi. Ouais. Bah merde, là c'est pas débloqué. C'est bien ça. Hein. Et parce que là ça m'amène à des... Allez.
Allez, sauvegarde, je pense que... Oh, non, ouais, on va peut-être essayer de retourner quand même au vaisseau. Sinon après la prochaine... Je pense que la prochaine fois sinon je vais oublier qu'il faudra aller récupérer le vaisseau, donc... Enfin, aller s'occuper du vaisseau. Donc on va essayer d'y aller tout de suite. On pourra sûrement sauvegarder en plus là-bas, donc... Sauf s'il est détruit, évidemment. Et dans ce cas-là, on regrettera amèrement. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux rien faire là encore. Quoi? Pourquoi ça pète pas? Non mais j'étais arrivé! Oui, j'arrive. Et je peux pas regarder ma carte parce qu'il y a le, truc qui est en focus là. Merci. Alors, faut que j'aille par où? Soit par là, je remonte tout. Non, c'est pas là, par là. Mais non, mais... Oh, putain, je me suis planté. Arrête. Il est où mon vaisseau? Ok, donc par là. C'est ouvert? Je l'ai déjà ouvert cette porte-là ou pas? Oui, ok. Et on va de l'autre côté. Allez! Ah mais super, ça me donne rien. Ok, et ben on re-rentre, on y retourne. Je l'ai déjà déglingué lui. Ok. Ah mais merde, ça il s'accroche.
Parce que j'ai envie d'aller de l'autre côté là. Oh putain, y'a pas un truc. On joue à Metroid Pinball. Oh là là, si seulement. Mais non, mais pour. Quoi? Je m'énerve pas, Madeleine, j'explique aux gens. Je vous explique. Regardez, regardez comment ça marche, vous avez vu? Vous êtes content de voir comment ça marchait. Voilà. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Je donne une direction. La direction est pas bonne. Je laisse tel que c'est. Ouais, vas-y. Hop. Y'a quoi en face? Bah voilà, y'a bien un truc en face. Ouais, d'accord. Je peux pas y retourner là. Oh, mais tais-toi. Et c'est toi. Attendez, il est où le... mon vaisseau? Ouais, c'est ça, ouais, je peux aller par là. Que je l'ai scanné... il y avait pas un truc que j'avais pas scanné là au début? Ouais, voilà. Je peux pas, c'est trop loin. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Merci. Ok. Ah, une réserve d'énergie. Le truc qui fait bien du plaisir. Par là mon vaisseau hein, d'accord, oui c'est bon. Enfin, enfin je vais retrouver mon vaisseau. Tu pourrais jouer sur une R4. C'est le truc... le truc de petit pirate, c'est ça? C'est pour me dire que mon vaisseau est en train d'être attaqué, mais...
Allez. Oh, c'est les pires. Les pires chargements. Ah, il est à dada dessus, quoi. Bah le... Le mec, il est devenu ouf, quoi. Le mec, il est littéralement à cheval sur mon vaisseau, quoi. Vite, vite, ton vaisseau va mourir, mais non. Ok, gore, bouclier repoussant tous les tirs d'armes alimentés par une unité dorsale. Ouais. Ouf. Aïe. Aïe. Oh merde. Attendez. Attendez, hop. Oh, j'en ai mis plein la tête là. Aïe. Merde. Mais merde. Oh la caméra. Oh la caméra. La caméra de chie, putain. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où. Putain mais de merde. Oh. Mais merde là, c'est bon.
Ah merde. Pousse qui bat, ouais. Qui peut le battre? Ce petit enfoiros. Comment ça? Pourquoi ça le vise pas? Ouf, oh, ça fait mal ça. Allez, gore. Aïe. Ça sert à rien. Je peux pas les tirer dessus. Oh, oh là. Ah, vous avez vu l'expression toute peinée de Samus. Rayon plasma, yes. La dépitance quoi. Mise à jour de l'armure obtenue. Rayon de plasma connecté. Utiliser rayon plasma avec A. Faire fondre certains métaux. Hop. Pouf pouf. Envoyer les trucs, écran d'inventaire, machin, tout ça quoi. Le vaisseau il est pas en forme. Hein. Je vous avouerai que le vaisseau il est pas en forme quoi là. Et là j'ai vu, voilà, il y a un truc. Ah ouais, c'est pour pouvoir passer, ah, d'accord. Ok, bon bah c'est bon. Tu pourrais prendre soin de ton vaisseau. C'est pas moi. Mais t'es assez avancé dans le jeu, non? Je sais pas. Je sais absolument pas où j'en suis. Pour de vrai. Hein. Vaisseau de combat endommagé. Impossible de voler en l'état. Autoréparation en cours. Ouais, d'accord, donc il faut attendre un certain moment. Bon, ça a commencé à faire un peu plus mal. Je pense que je vais faire un peu plus mal. Hop, sauvegarded. Ah ouais, bah ouais, tout de suite. Tout de suite, on va plus rigoler, hein. Je vous le dis, hein. Mais pour aujourd'hui, on va dire que c'est terminé. Des bisous, YouTube, à la prochaine.